Santé, on va parler du scandale du Mediator. Ce médicament pour diabétiques en surpoids aurait fait au moins 500 morts en l'espace de 30 ans. Toutes les personnes ayant pris ce médicament pendant au moins 3 mois sont invitées à consulter un médecin. Depuis un an, 4 plaintes ont été déposées contre ce médicament. Le Mediator est interdit à la vente depuis novembre 2009. Xavier Bertrand, le nouveau ministre de la Santé, a entre ses mains un nouveau dossier brûlant. Il s'est exprimé aujourd'hui et souhaite que tous les patients traités soient examinés dans les plus brefs délais. Nous sommes partis à la rencontre de Liliane de Paris. Elle a utilisé ce médicament et ce pendant plus de 10 ans. On l'écoute au micro d'Aurélien Barège. Je trouve que la première des choses est d'être au plus calme possible, de prendre un rendez-vous avec son médecin traitant, puis de discuter avec lui, de lui remettre en mémoire. Voilà, est-ce que les complications que j'ai pu avoir au cours de ma vie suite à cette ingestion de médicaments, est-ce qu'elles sont simplement en relation avec mon diabète ou en relation avec ça et puis faire des examens complémentaires qu'il me prescrira, que le médecin me prescrira.